oui, mon Lucien, je te reçois. Eh ben, écoute, on va taper du tambourin. Je pensais que c'était un instrument de musique, mais c'est aussi un instrument de sport. On va voir ça tout de suite. Merde. Eh bien, bonsoir, je suis avec Patrice sur le terrain de la balle au tambourin. Alors, en quoi consiste ce sport, Patrice? Bon, c'est un sport déjà qui est originaire de l'Hérault, donc c'est un sport de balle. Donc qui se pratique à 5 joueurs contre 5 dans la version extérieure où on peut jouer à 3 contre 3 en version en salle. Et donc c'est sur le même principe que le tennis, il faut renvoyer la balle dans le cas adverse. Et donc le décompte des points se fait 15, 30, 40 et jeu. Voilà. Sauf qu'on fait une seule manche en 13 jeux gagnants. Et donc la seule différence qu'il y a, c'est que, donc comme j'ai dit, le terrain fait 80 mètres de long sur 20 mètres de large et il n'y a pas de filet. C'est une ligne médiane qui sépare les deux camps. Par rapport au tennis, c'est un tambourin. Mmh. Donc c'est un cercle en plastique qui est recouvert d'une toile synthétique. D'ailleurs, la seule fabrique française se trouve à Gignac, au siège de la Fédération. C'est là où ils font les tambourins. Donc il y a une poignée en cuir. On met la main dans la poignée et on tient comme cela avec le pouce sur la toile. Et donc après, il faut taper au milieu du tambourin. Plus on centre la balle et plus la balle repart correctement. Sachant qu'il faut essayer de ne pas prendre sur le pouce parce que ça fait mal. Parce que quand même, la balle est en caoutchouc et assez dure. Je peux tâter le bitonio. Ah oui. Ok, bon bah on va s'y essayer, je crois. Je suis avec Léane et j'ai besoin d'un défi en fait. J'ai besoin d'être mis au défi. Est-ce que tu aurais quelque chose à me proposer? Bah, juste faire des petites jongles pour commencer comme ça. Gentiment, oh, bah, ça va. Oui. Ça va, regarde-moi ça. Je suis très très à l'aise. Je suis à l'aise avec le tambourin. Ah oui. Ok. Ah. Et voilà, en forme olympique, mon pote. Oh non, le faux rebond. Qu'est-ce qui s'est passé? Ben, je crois que t'as un trou dans le tambourin. Il se débrouille pas mal, franchement. Il y a pire pour un débutant, ça va. Bon, là, je viens de perdre un contre un, donc ça n'existe pas dans les règles. Donc officiellement, je n'ai rien perdu, j'ai pas perdu. Donc on va faire un 3 contre 3, si vous voulez bien. Allez, c'est parti. Ça tient dans tous les sens. En fait, ils m'ont dit baisse-toi quand on frappe. Oh non! Elle est bonne? Ah! C'est un ace. Oh, elle est belle! Alors, c'est qui le patron? Ouais. Wouh! Ah. Salut les adversaires. C'est pas mon style. Mais bon, je vais le faire quand même pour ce soir en France. Bravo. Bon bah les filles c'était bien sympa mais moi je me casse en fait. Voilà. Allez à plus. Non. Attends non. On tape le tambourin. Mais non. Si. Oh, c'est pas vrai. Bah, si. C'est pour moi. Oui. Et pour les Françaises. Hey. Mais.